Alors, mesdames et messieurs, on est au carrefour, d'accord, carrefour de Milou, la route qui mène, la route qui a été barrée, d'accord. On va aller voir ce qui s'y passe. Donc, apparemment, on m'a dit qu'ils sont en train de faire un parking ici. Donc, direction route de Milou, et ici, apparemment, il y a la réalisation route de Milou. Ici, apparemment, il y a la réalisation d'un parking que vous voyez. Donc, c'est en train de travailler. Vous voyez là où nous sommes. Donc, les images en temps réel, d'accord? Donc, à partir d'ici, on a les blocages, d'accord, de la route. On va entrer dans le but du sujet, d'accord? Là où ça s'est cassé la gueule, les gens accèdent à pied ici. Et donc vous voyez, il y a des véhicules qui sont stoppés là-bas. Donc la route, ça commence à partir d'ici. Vous voyez les points au sol. D'accord? Les travaux n'ont pas encore commencé. Ça va, comme vous voyez ce qui s'est passé ici. Donc c'est ça qui fait chier les habitants, qui fait chier tout le monde. Là, vous voyez, c'est un vrai bordel. Ça fait une espèce de cuve, piscine, d'accord? Vous voyez l'ampleur des dégâts. Ça monte, ça fait une espèce de courbe. Donc ici, c'est pareil. Donc, on a une superbe... Eh oui, là, les amis, vous voyez pourquoi, le pourquoi. Donc, ceux qui ne connaissent pas le pourquoi, la route est barrée. C'est un vrai bordel ici, hein. Il y a un affaissement, d'accord. C'est tout le bloc là ici que ça a glissé, vous voyez, c'est fissuré. Et du coup, ce qui fait que la route est complètement creusée. On va voir si ça continue un petit peu en haut. Donc le barrage s'arrête ici. Donc c'est vraiment cette portion là qui est complètement détruite. Là ici, on... Oh, je sais pas s'ils font un petit parking ou pas, non, je ne sais pas, mais ça s'arrête ici. Là, vous voyez, il y a pas mal de chantiers, d'accord. La construction d'un parking ici, côté vers Combani et côté vers Aqua, d'accord. Il faut minimum 3 mois de travaux. Ici, d'accord, il y a beaucoup de travaux à réaliser, donc il y aura peut-être une petite passerelle de circulation qui sera ouverte ou pas, je ne sais pas, mais vous attendez pas qu'il y a une réouverture officielle.